côté, Alexandre. Là-bas. Sa do si di we mi o malano mbelonde londolende boso di titimbu sa do bia we mi o malano na les corps normalement et les pampilles. Alors les pampilles c'est les petits bouts de peau là, ça sert à rien, mais la race il faut qu'elle ait les pampilles normalement. Alors la petite chèvre là, d'après vous, quel âge elle a? Oui, elle est toute jeune, ouais. Non. C'est un toi qui connaît. Combien? Alors, la petite chèvre, elle a eu 2 mois. Parce qu'en France, vous avez 2 grandes races. Vous avez la race alpine chamoisée et la race toute blanche, petite pyramide comme ça. Mais ma pyramide, j'ai pas envie de la faire sécher. À ce moment-là,
je mets dessus de la cendre de charbon de bois et la cendre va absorber l'humidité du fromage et ça donne un autre goût, un autre aspect. Et si on la laisse sécher, vous voyez, on arrive à tout petit comme ça. Ouais. Mais c'est la cendre qui a absorbé. Quelle est la solution que le père a trouvée, Sébastien? Alors, qu'est-ce qu'il demande à la maîtresse du héros? De demander quoi? De l'inscrire. De l'inscrire au club. Mais ça coûte de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il bondissait sur ses raquettes, piquait un maximum de plongeons dans la poudreuse, où il creusait des dizaines de trous. Ce n'était plus une descente, c'était un champ de mine. Et papa a fini par abandonner. Le troisième concurrent était Abdel. Le héros, le garçon, il était pour ou contre la compétition? Sylvain. Tu ne te rappelles plus, c'est pas grave. Jérémy, il était à fond pour la compétition. Et maintenant, à votre avis, qui pense qu'il est pour la compétition? Qui pense qu'il est contre la compétition? Qui pense que le garçon, il ne sait pas trop? Bah, trouvez-moi un passage qui montre qu'il est pour, qu'il est contre, qu'il ne sait pas trop. La question après. Donc, pourquoi on mettait le gommier sur des plots? Non, il n'y a pas de foin dans le gommier.